Jusqu'au 31 décembre prochain, Vincent De Dienne sera au théâtre de la Porte Saint-Martin, à Paris, pour jouer la pièce Un chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labiche, mise en scène par Alain Françon. L'acteur et humoriste de 36 ans a ainsi accepté l'interview du Parisien, dévoilée vendredi 10 novembre. L'occasion pour lui de se confier sur son enfance, sur ses débuts professionnels ou encore son admiration pour Muriel Robin. Sans filtre, il a évoqué son adoption à l'âge de seulement un an, qu'il a apprise presque par hasard. Un soir, en rentrant de l'école, j'ai dit à ma mère que je venais d'apprendre qu'Adrien, un garçon de ma classe, avait été adopté. Elle était en train de coudre. Elle m'a dit, ah oui. Eh bien, toi aussi, a expliqué Vincent De Dienne, qui n'a pas été plus chamboulé que cela par cette information. En revanche, encore bébé, le comédien semblait avoir réagi, physiquement, à cette nouvelle vie familiale qui s'offrait à lui. Dans les colonnes de nos confrères, il a révélé avoir appris de la bouche de sa mère, récemment, que quelques mois après, son adoption, il s'est mis à ne plus rien manger, à ne plus bouger. Je n'exprimais plus aucun signe de vie. J'ai donc été hospitalisé 4 jours, au bout desquels j'ai manifesté l'envie de rentrer à la maison, a-t-il développé, en précisant que les médecins étaient dépassés par les événements. Supérieur à supérieur à Souria Bonali, Vincent De Dienne, Nelson Mandela. Ces stars qui ont été adoptées sont acteurs ayant baigné dans un environnement plein d'amour néanmoins, comme il l'a indiqué, l'un d'eux a émis la théorie selon laquelle, il aurait été compris que, ses parents adoptifs étaient, à nouvelle famille, et qu'il avait été ainsi voulu revivre, de manière symbolique, une naissance. Touché par cette anecdote, Vincent De Dienne a souligné avoir trouvé ça très beau, comme vision des choses. En grandissant, l'acteur a vécu entouré de tendresse et de soutien. Il d'ailleurs détaillait avec fierté son histoire, qu'il qualifie de succès, « Mes parents m'ont permis de m' épanouir, m'ont aimé, aidé. Point, je suis une pub pour l'adoption. » Si bien qu'il n'a jamais cherché à découvrir ses origines biologiques. Je préfère l'énigme à la réponse. D'autant plus que cette dernière peut être hyper décevante, a-t-il lâché en toute franchise. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Coadic Guirec.